La digitalisation de l'économie et l'innovation apparaissent comme une opportunité pour l'industrie du capital investissement. Selon le dernier rapport de Partech Africa, les start-up tech africaines ont levé en 2018 1,163 milliard de dollars en fonds propres, soit une croissance annuelle de 108%. Il s'agit donc à travers la signature de cette convention entre la SING et Okoumé Capital d'inscrire le Gabon à travers ces start-up dans cette dynamique. Désormais, les entrepreneurs sauront qu'avant d'aller chercher du financement, il faut qu'ils se structurent. Donc pour structurer, ils ont des structures comme la SING qui vont leur apporter des démarches pour faire la démonstration qu'il y a réellement des clients qui peuvent soutenir la croissance de leur entreprise. Nous avons un capital de 20 milliards mis à disposition par les pouvoirs publics et nous apportons notre contribution pour faire en sorte que des entreprises qui viennent nous voir puissent être incubées ici et être mieux profilées pour disposer des fonds dont nous disposons. Dans cette démarche, les défis pour les startups se situeront au niveau des dépenses d'exploitation au démarrage, les risques liés à l'exécution des modèles économiques et la préparation au financement. Avec ce partenariat, ça me permettra de passer à une seconde phase de mon entreprise parce que j'ai vraiment besoin d'équipement. Au Gabon, le taux de pénétration est de 104% pour 185 start-up dans les technologies de l'information et de la communication créées par an. Cette ambition classe le pays au rang de 6e pays africain en connectivité, parvenant à une couverture en infrastructure avoisinant les 80%.